Welcome to Ramaphore Gospel Church, Pretoria, a place of refuge and deliverance. Under the leadership of Apostle Narcisse Magina, get ready to receive and experience a message that will change your life. If you believe so, may somebody give me a very good amen. Notre texte qu'on avait commencé avec ça et qu'on termine avec ça. The text that we started with, we're going to end with it as well. 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronicles chapter 4. Les versets 9 et 10. Verse 9 and 10. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole du Seigneur? May we please honor the word of God. 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronicles chapter 4. 9 à 10. 9 to 10. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Now Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez because, saying, because I bore him in pain. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. And Jabez called on the Lord of God, of the Lord God of Israel, saying, oh, that you would bless me indeed and enlarge my territory, that your hand will be with me and that you will keep me from evil, that I may not cause pain. So God granted him what he requested. On va prier. We're going to pray. Seigneur, nous recommandons ce moment entre tes mains. Nous voulons partager ta parole. Nous prions que le Saint-Esprit puisse nous aider pour qu'il puisse avoir une très bonne connexion entre moi et ton peuple, et que cette parole soit profitable pour tout et chacun de nous en ce lieu ce soir. Au nom de Jésus notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Asseyez-vous. You may have your seat. Ça va faire bientôt 4 jours. It's going to be 4 days. Que nous sommes en train de tourner autour de cette thématique que j'appelle la prière de Jaébet. Since we've been speaking about the theme of what you call the prayer of Jabez. 2 versets. 2 verses. Mais qui ont changé l'histoire de la vie d'une personne. That changed the life of someone. Comme je le dis chaque jour. Like I was saying every day. Il y a eu un avant cette prière et il y a eu un après cette prière. There was a before that prayer and after that prayer. Le premier jour, the first day, on a essayé de mettre la fondation en expliquant combien la prière est très importante dans notre vie. Nous remarquons qu'il y a certaines choses qui ne vont pas bien. We try to place some foundation to say what happens when our, what kind of prayer we must do when things are not going right in our lives. On a dit, we said, combien la prière est importante dans notre vie. How important is prayer in our lives? Quand nous nous rendons compte qu'il y a certaines choses qui n'évoluent pas très bien. When we see that there are certain things that are not going right in our lives. On a insisté sur la prière d'invocation. We insisted on the prayer of calling upon. C'est-à-dire appeler Dieu à se manifester pour que les choses changent. Meaning calling upon God to be manifested until something changes. C'est le genre de prière que Jabez avait décidé de faire. It's the type of prayer that Jabez decided to do. Mais la prière de Jabez avait 4 aspects. But the prayer of Jabez had 4 aspects. Qui constituent les 4 requêtes de Jabez. That had the four requests of Jabez. Le premier aspect. The first aspect. Jabez a demandé à Dieu la bénédiction. Jabez asked from God blessings. Parce qu'il avait remarqué que dans sa famille family, et dans sa propre vie life, il y avait l'absence de la bénédiction. There was an absence of blessing. Nous avons essayé d'expliquer qu'est-ce que c'est la bénédiction selon la pensée de la Bible. We tried to explain what is blessing according to the thought of the Bible. Mais après cela, Jabez est allé à un autre niveau. And after that, Jabez got to the next level. Il n'a pas seulement demandé la bénédiction. He did not only ask for blessing.
Il a aussi demandé à Dieu d'étendre ses limites. He also asked the Lord to enlarge his territory. Après avoir dit si tu me bénis, after saying if you bless me, il a aussi dit si tu étends mes limites. And he said if you enlarge my territory. C'est parce qu'il a, il s'était rendu compte aussi. It's because he found out that que sa vie avait des limites. That his life had limits. Et hier, and yesterday, on a essayé d'expliquer quelques notions sur les limites qui empêchent beaucoup de gens de ne pas aller loin dans leur vie. We tried to find some notions that what limitation can block people to going forward in their life. Et ce soir, and tonight, nous allons prendre la troisième requête de Jabez. We're going to take the third request of Jabez. Qui est intitulée? Which is entitled. Si ta main est avec moi. If your hand is with me. Après avoir demandé la bénédiction, after asking for blessings, après avoir demandé l'extension de ses limites, after asking for the enlargement of his territory, il a demandé la main de l'Éternel. He asked for the hand of the Lord. Il voulait voir la main de l'Éternel. He wanted to see the hand of the Lord. Qu'est-ce que Jabez voulait dire en fait en demandant la main de l'Éternel? What did he want to say by asking for the hand of the Lord? Je voudrais rapidement dire trois petites choses avant de retourner dans ce texte. I would like to just say three things before we can go back to the text. La première, the first one, est que bien que la Bible utilise les termes comme les yeux de Dieu, les oreilles de Dieu, la main de Dieu, les doigts de Dieu, even though the Bible says terms like the eyes of God, the hand of God, the ears of God, la première des choses, the first thing, j'aimerais que vous sachiez, I would like you to know, que Dieu n'a pas un corps physique comme nous, that God does not have a physical body like us, il n'a pas des organes comme nous, he does not have organs like us, il n'a pas des reins, il n'a pas de foie, il n'a pas de cœur, il n'a pas tous les organes que toi et moi on a, Dieu n'a pas, he Dieu n'a pas. It means livers of the heart that we have, like God does not have that. Mais chaque fois que la Bible parle de la main de l'Éternel ou de quelque chose semblable, every time the Bible speaks of the hand of God or something similar, ça veut parler tout simplement des aspects des manifestations de Dieu. It only speaks of the aspect of the manifestations of God. Première des choses. The first thing. Je veux que tu saches que Dieu n'a pas un corps physique comme nous. I would like you to know that God does not have a physical body like us. Deuxième chose. Secondly. Chaque fois que la Bible a parlé de la main de l'Éternel, every time the Bible speaks of the hand of the Lord, c'est une manière imagée. It's an imaginary way. C'est une manière imagée. It's an imaginary way. De parler de certains aspects de sa révélation ou de sa manifestation. To speak of certain aspect of his revelation. Troisième chose. Thirdly. Quand Jabez parle de la main de Dieu, when Jabez speaks of the hand of God, il voulait au fait nous révéler certaines choses que je voudrais mentionner ce soir. He wanted to reveal to us certain things that I will show us tonight. La main de Dieu dont Jabez parlait ici cache quatre idées. The hand of God that Jabez was speaking about speaks of four ideas. Je dirais même cinq. I'll say five. Lorsqu'il disait je veux voir ta main, when he was saying I want to see your hand, ça cache cinq idées. It hides five ideas. La première idée quand on parle de la main de Dieu, the first idea when we speak of the hand of God, c'est le fait de voir sa présence manifeste. Is the fact of seeing his presence being manifested. La main de Dieu, the hand of God, dans le contexte de Jabez, in the context of Jabez, il voulait voir la présence manifeste. He wanted to see the manifested presence. Il a entendu parler de Dieu d'Israël. He heard of the God of Israel. Il a entendu les choses que Dieu a fait dans le passé. He heard what God did in the past. Mais depuis qu'il est né, and since he was born, et il a grandi, and he grew up, il n'a jamais vu la manifestation de ce Dieu-là. He has never seen the manifestation of that God. Il a appris qu'Israël avait un Dieu. He learned that Israel had a God. Et ce Dieu avait une alliance avec Israël. And that God had a covenant with Israel. Il a même lu certaines clauses d'alliance que Dieu avait avec Israël. And even read some covenant that God had with Israel. Mais le problème, but the problem est que dans sa vie personnelle, that in his personal life, il ne voit pas la réalité de ces alliances-là. He does not see the reality of that covenant. Alors en demandant la main de Dieu, while asking for the hand of God, Jabez voulait demander la présence manifeste. He wanted to ask for the manifested presence of God. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, I would like to tell someone tonight. Jusqu'à ce que Dieu devienne palpable dans ta vie. Until God becomes tangible in your life. Jusqu'à ce que Dieu devienne actif dans ta vie. Until God becomes active in your life. Tu n'auras jamais une foi authentique. You will never have an authentic faith.
Tu ne peux pas continuer à bâtir ta foi sur les témoignages des autres. You cannot continue building your faith on testimonies of others. Pour que ta foi soit authentique, for your faith to be authentic, il faut que tu voies la manifestation de Dieu dans ta vie. You need to see the manifestation of God in your life. Je suis heureux de dire à quelqu'un ce soir, I'm happy to tell someone tonight, Jésus n'est pas ressuscité des morts pour rester dans l'histoire. The Lord did not resurrect from the dead for him to remain in history. Jésus n'est pas ressuscité des morts pour rester une histoire pour toi. Jesus did not resurrect for him to remain in history for you. Il est temps que le Dieu de l'histoire s'arrête. It's the time for the God of the history to stop. Et que chaque enfant de Dieu, and that each child of the Lord, vive la manifestation de Dieu dans sa vie personnelle. Live the manifestation of God in their personal lives. Les premières choses que je vous ai dit, c'est pourquoi David a dit. That's why David said. Il dit, je ne veux pas seulement vivre. I cannot just live. David dit, je ne mourrai pas. He says, I will not die. Je vivrai. But I will live. Mais je ne veux pas seulement vivre pour le plaisir d'exister. I just don't want to live for the pleasure of living. Il voulait vivre pour quoi? He wanted to live for what did he pour want to live? Pour raconter les œuvres de l'Éternel dans sa vie. To speak of the works of the Lord in his life. Je ne veux pas vivre pour lire les dieux de l'histoire. I don't want to live for the God of history. Mais je veux vivre. But I want to live. Pour raconter ses œuvres dans ma vie personnelle. To speak of his works in my personal life. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir. I'd like to tell someone tonight. Après ces 30 jours de prière. After these 30 days of prayer, le Dieu de la Bible, the God of prayer of the il Bible, ne restera plus un Dieu historique pour toi. He will not remain the God of history for il you. Il deviendra manifeste dans la vie de quelqu'un au milieu de nous ce soir. He will be manifested in the life of someone tonight. Si cette personne est là, if that person is here, j'aimerais entendre son amen. I would like to hear your amen. Je dis, si cette personne est là, if that person is here, j'aimerais entendre son amen. I would like to hear your amen. Non, je ne vous entends pas bien. I cannot hear you well. Si cette personne est là, if that person is je here, vais l'entendre plus fort que tout le monde. To hear it more than everyone. Le Dieu de la Bible se manifeste. The God of the Bible is manifested. Hallelujah. Amen. Il faut pas toujours que tu continues à dire aux gens, j'ai Dieu, mais un Dieu passif. You must not continue telling people that I have God, but a passive God. Les gens ne respecteront pas ton Dieu parce que tu leur dis que tu as un Dieu. People will not respect your God because you tell them you have God. Mais les gens respecteront ton Dieu. But people will respect God. À cause des œuvres de Dieu qu'ils vont voir dans ta vie. Because of the works of the Lord that they will see in your life. Apôtre, quelques jours avant que je ne vienne ici. Apostle, a few days before I could come here. L'une de mes filles qui était grosse et elle devrait accoucher m'appelle. One of my daughters who was pregnant and wanted to give birth called me. C'était une grossesse avec beaucoup de problèmes. She had a pregnancy that was very problematic. Et déjà avant qu'elle accouche, beaucoup de médecins pensaient que l'enfant n'allait pas vivre. Even before she could give birth, a lot of doctors thought the child would not live. Alors le jour d'accouchement arrive. The day of the giving birth arrived. Elle part à l'hôpital à Eddington. She went to the doctor and she said. Les médecins regardent l'enfant. The doctors look at the child. Les médecins lui disent cet enfant ne peut pas vivre. The doctors say this child cannot live. Il n'y a aucun moyen. There is no way. On lui donne une lettre. Or they gave her a letter. Il dit si la lettre, nous devons détruire l'enfant dans le ventre pour que nous puissions sauver ta vie. The letter said we need to destroy the child in your stomach to save your life. Parce que l'enfant a moins de 1 kilo. Because the child is less than a kilogram. Il a moins de 1 kilo. It's less than 1 kilogram. Alors il n'y a pas moyen qu'il vive, il n'y a rien à faire. There is no way for him to live. On dit il y a deux options. It means there's two options. Soit on détruit l'enfant dans le ventre. Unless we destroy the child in your womb. Soit on t'opère, on fait sortir l'enfant, mais on t'assure déjà que l'enfant a 8% de vie. Or maybe we can do a surgery on the child, but the child only has 8% to live. J'étais à la maison. I was at home. En train de me préparer pour venir à l'église. Preparing myself to come to church. Elle m'appelle. And she called me. Elle dit papa. And she said father. Regarde ce que le docteur a dit. Look at what the doctor is saying. Il dit l'enfant a 8% de chances de vivre. The child only has 8% for him to live. Alors le docteur préfère qu'on puisse sauver ma vie. The doctor says they prefer to save my life. Ils veulent détruire l'enfant dans le ventre avec des rayons laser. They want to destroy the child with rays. Je prends le téléphone et je lui dis. I took the phone and I told her. Au nom de Jésus qui est ressuscité. In the name of Jesus who was resurrected. On ne détruira pas cet enfant dans le ventre. They will not destroy that child in your stomach. Dis au docteur signe pour qu'on fasse l'opération, qu'on fasse sortir l'enfant. Tell the doctors to do the surgery and to remove the child. Papa, le docteur a dit que l'enfant ne vivra pas. Il a 8%. But father, the doctor said that the child only has 8%. Je lui dis que l'enfant vivra au nom de Jésus. I told her that the child will live in the name of Jesus.
Elle accepte qu'on fasse l'opération. On a fait l'opération. She accepted that she goes through the surgery. On a sorti l'enfant. They removed the child. Tel que je vous parle ce soir. And as I'm speaking to you tonight, l'enfant vit et il respire complètement comme une personne normale. The child is breathing and living completely as we are speaking. Il faudrait que les gens voient notre Dieu. People must see our God. Le Dieu que nous prions, the God that we pray, ne doit pas rester dans l'histoire. Must not remain in history. Jabez était fatigué d'entendre parler de Dieu. Jabez was tired to be hearing of God. Et il a entendu seulement le Dieu d'Abraham. He only heard the God of Abraham. Le Dieu d'Isaac. The God of Isaac. Le Dieu de Jacob. The God of Jacob. Il avait divisé la mer rouge. He divided the Red Sea. Mais moi je souffre. What about me? I'm suffering. Seigneur, Lord, où sont toutes les œuvres que je t'ai entendu faire avec nos pères? Where are all the works that I've heard you done with il all dit, my fathers? Je veux voir ta main. Says I want to see your hand. It means, je veux voir ta manifestation. I want to see your manifestation. Je prie pour quelqu'un ce soir. I pray for someone tonight. À partir de ce soir, from tonight, la main de Dieu sera toujours manifeste dans ta vie. The hand of God will always be manifested in your life. La présence de Dieu sera manifeste dans ton business. The presence of God will be manifested on your business. Je déclare sur un homme d'affaires. I declare on someone who's a businessman. Je déclare sur une femme d'affaires. I declare on a businesswoman. Après ces 30 jours de prière, after these 30 days of prayer, ceux qui ne croyaient pas à l'avenir de tes affaires, those who do not believe in the future of your business vont voir Dieu dans une autre dimension. They will see God in another dimension. Il y aura un témoignage qui va dépasser l'entendement des gens. You will have a testimony that will amaze people. Il faut que Dieu se manifeste dans ta vie. God must be manifested in your life. Si tu crois cela, if you believe in that, dis avec moi, merci Seigneur. Say with me, thank you Lord. Say with me loudly, say thank you Lord Jesus. Quand Jabez parlait de la main de Dieu, when Jabez was speaking about the hand of God, la deuxième idée qui était cachée derrière ça, the second idea that was hidden behind it, c'était la présence protectrice de Dieu. It was the protective presence of God. La première idée c'était la présence manifeste. The first one was the manifested presence of God. Et la deuxième idée c'est la présence protectrice. And the second idea was a protective presence. Il voulait dire à Dieu, he wanted to tell God, je veux que tu me protèges. I want you to protect me. Contre toutes les malédictions que je vois dans ma famille. Against all the curses that I'm seeing in my family. Quand vous lisez d'autres versions. When you read other versions. Comme la version français courant. Like the French version. Ou parole de vie. Or the word of the word of life. C'est comme ça qu'il translate ça. That's how he translates it. Il dit si je vois ta main protectrice. He says if I see your protective hand. Dans ma vie. In my life. Je vais bénir ton nom. I'll bless your name. Jabez voulait que Dieu, non seulement qu'il puisse se manifester, mais après avoir se manifesté, que Dieu protège la chose pour laquelle il s'est manifesté. Jabez did not just want God to be manifested, but also to protect the thing that he's been manifested for. Dans Esdras chapitre 8, verset 31. In Esdras chapter 8, verse 31. Esdras 8, 31. Esdras chapter 8, verse 31. Esdras voyage avec tous ses amis, tous ses compagnons pour aller rebâtir la muraille de Jérusalem. He was traveling with all his companions to go and build the wall of Jerusalem. Ses voyages avaient beaucoup de combats. He had a lot of fights. Et ses voyages avaient beaucoup de challenges. And that the travel also had a lot of challenges. Mais malgré ces combats, il arrive quand même très bien à la destination avec tous ses compagnons. Despite all the challenges, he arrived well in his destination. Et dans ce passage, il est en train de déclarer. And he's declaring in the text. Nous sommes bien arrivés. We arrived well. Parce que la bonne main de l'Éternel a été sur nous. Because the good hand of the Lord was upon us. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, I would like to tell someone tonight. Dans les voyages de la vie, in the journey of life, il y a beaucoup de mauvaises personnes qui sont à côté de nous. There are a lot of bad people around us. Il y a des gens, there are people que nous considérons comme des amis, that we consider as friends, que nous considérons comme des collègues, that we consider as colleagues. Alors que spirituellement, but spiritually, ce sont des serpents et des scorpions. They are serpents and scorpions. Tu l'appelles voisin. You call them neighbor. Mais spirituellement, c'est un serpent. But spiritually, it's a serpent. En lui, il a des venins mortels qui peuvent te faire très mal. In him, he has a venomous that can kill you. Sans la main protectrice de Dieu. Only the protective hand of God. Sans la main protectrice de Dieu. Without the hand of God. Tu n'as aucune garantie que tu vas bien accomplir ta destinée. You don't have a guarantee that you're going to reach your destiny. Je prie pour quelqu'un ce soir. I pray for someone tonight. Que le Seigneur te protège dans les voyages de ta destinée. And the Lord protect you in the journey of your destiny. Tout serpent qui s'élèvera contre toi. Every serpent who will arise against you. Tout scorpion qui viendra sur ton chemin. Every scorpion who will come on your way. Pour essayer de te piquer avec son venin. To come and tease you with the venom. Que la main de Dieu l'élimine et les repousse loin de toi au nom de Jésus. Eliminate them and remove them far away from you. Dieu protégera ta carrière. God will protect your career. J'ai dit à quelqu'un. I'll tell someone. Dieu protégera ta carrière. The Lord will protect your career. J'ai dit à quelqu'un. I'm telling someone. Dieu protégera tes
tes études. God will protect your studies. Tu finiras cette étude au nom de Jésus. You will finish your studies in the name of Jesus. Tu auras ce diplôme au nom de Jésus. You will have that diploma in the name of Jesus. Je voudrais dire à quelqu'un. I'd like to tell someone. La main de Dieu protégera ton mariage. The hand of God will protect your marriage. Je voudrais dire à quelqu'un. I'd like to tell someone. La main de Dieu protégera ta famille. The hand of God will protect your family. Tout plan du monde des ténèbres contre ta famille va échouer. Every plan of the world of darkness against your family will fail. Pas à cause de ton intelligence. Not because of your intelligence. Pas à cause de ton courage. Not because of your courage. Mais à cause de la bonne main de Dieu qui sera sur toi tous les jours de ta vie. Because of the good hand of the Lord that will be upon your life every day. Si tu crois cela, donne-moi un bon amen. If you believe that, say a good amen. Si tu crois cela, donne-moi un très bon amen. If you believe that, give me a good amen. Quand Jabez demandait la main de Dieu, when Jabez was calling upon the hand of God, la troisième idée, the third idea, que la main de Dieu voulait signifier, that the hand of God was meaning, c'est la présence de Dieu, is the presence of God, non seulement qui est avec nous mais qui nous accompagne, not only that is with us but is also accompanying us, mais qui attire des personnes favorables dans notre that vie, that attract favorable people around us. Sa présence, his presence, et son accompagnement, and his accompaniments, qui nous amène des gens favorables, that brings to us favorable people, c'est-à-dire, it means, qui amène des gens, that brings people, qui agissent favorablement à notre égard, that acts favorably to us. Quand Jabez demandait la main de Dieu, when Jabez was asking for the hand of God, il voulait demander à Dieu, he wanted to ask the Lord, de l'accompagner dans sa destinée, to accompany him in his destiny, mais aussi de l'amener des gens qui étaient favorables dans sa vie, but also to bring him people who were favorable in his life. Dans Néhémie chapitre 2, in Nehemiah chapter 2, verset 7 à 8, verse 7 to 8, Néhémie chapitre 2, Nehemiah chapter 2, verset 7 à 8, verse 7 to 8, Néhémie explique comment il a bénéficié de la main de Dieu. Nehemiah explains how he benefited from the hand of God. Il a appris, he learned, il a appris, he learned, que Jérusalem était détruite, that Jerusalem was destroyed, et la ville de ses ancêtres était consumée par le feu, and the life of his ancestors was destroyed by fire. Il était découragé, he was really discouraged. La première des choses, the first thing, il a commencé par la prière, he started with prayer. Il est entré dans sa chambre, he went into his room. Il a commencé à prier, he started l'Éternel, praying the Lord. Quand il a fini de prier, when he finished praying, il est sorti dehors. He came outside. Et comme il était le serviteur du roi, and because he was a servant of the king, il vient pour servir le roi. He came to serve the king. Et le roi remarque que son visage n'est pas bon. And the king says that his face was not well. Le roi le connaissait assez bien. The king knew him well. Il lui pose la question. And he asked him the question. Pourquoi ton visage n'est pas bon aujourd'hui? Why is your face not good today? Es-tu malade? Are you sick? Tu as quelques soucis? Do you have some sadness? Il dit au roi, he says to the Lord, comment the king, serai-je dans la joie, how will I be happy, alors que la ville où on a enterré mes ancêtres est consumée par le feu? Well, the city that where they buried my ancestors has been destroyed. Le roi lui demande, qu'est-ce que tu veux? The king asks him, what do you want? Première chose, the first thing, Néhémie demande au roi, Néhémie asks the king, il dit, he says, donne-moi l'autorisation, give me the authorization, pour que pendant un temps, so that for a time, que je puisse retourner à Jérusalem, I will go to Jerusalem, pour rebâtir la ville où se trouvent les tombeaux de mes ancêtres. To rebuild the city where you find the graves of my ancestors. Le roi lui écrit la lettre. The king wrote the letter for him. Il lui a donné. And gave it to him. Deuxième chose. Secondly. Il vient encore auprès du roi. He came before the king. Il dit au roi. He said to the king. Quand je vais partir, when I will go, je ne sais pas avec quoi je vais reconstruire la muraille. I do not know with what I'm going to rebuild. Donne-moi this une autre lettre pour Asaph. Please give me a second letter. Pour Asaph. For Asaph. Qui était le garde forestier. Who was the servant or the guard of. Pour qu'il me fournisse le bois. So that he can give me some wood. Afin que j'utilise ça pour rebâtir la muraille. That I can use it to rebuild the wall. Les commentateurs disent ceci. And the commentator says. Les commentateurs disent. The commentator says. Que tous les bois qui ont été donnés à Néhémie par Asaph. All the woods that was given to Nehemiah by Asaph. Ça peut coûter aujourd'hui une valeur de 2 millions de dollars. Can cost or has the value of $2 million. Mais malgré qu'il a demandé la deuxième fois. But as he was asking for the second time. La Bible dit. The Bible says. Le roi
Allah a donné tout ce qu'il voulait. The king gave him everything that he asked for. Et quand il est arrivé là-bas, and when he arrived there, Asaph lui a livré tout le bois. Asaph gave him all the wood. Et il a reconstruit. And he rebelled. Maintenant, les passages qu'on vient de citer ici. Now the text we just read now. Il est rentré. He came back. Tout joyeux. Les gens lui posent la question. And people were asking him. Mais comment tu as fait pour réussir tout ça? But how did you do to be able to get all of this? Il leur dit. And he told them. C'est parce que. It's because. La bonne main de mon Dieu a été sur the moi. The good hand of the Lord was upon me. Il dit, c'est pas à cause de ma force. It's not because of my strength. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir. I'd like to tell someone tonight. Lorsque la main de Dieu est sur toi. When the hand of God is upon you. Dieu te donne la faveur devant les gens. God gives you favor before men. Lorsque la main de Dieu est sur ta vie. When the hand of God is upon your life. Dieu te prend. God takes you. Il te prend. He takes you. Et il te met dans le cœur des gens. And he puts you in the hearts of people. Tu ne forces plus les relations. You will not force relationships. Mais tu constates. But you will just see. Que les gens commencent à t'aimer à l'occasion. People will start loving you without any occasion. Partout tu frappes la porte, on t'ouvre. Everywhere you knock the door, it will be open for you. Partout tu demandes un service, on te le donne. Everywhere you ask for a service, it will be rendered to you. Comme Néhémie. Like Nehemiah. Je déclare. I declare. Ça sera le témoignage de quelqu'un qui est au milieu de nous ce soir. It will be a testimony of someone among us tonight. Je dis ça sera le témoignage de quelqu'un au milieu de nous ce soir. It will be somebody's testimony among us tonight. À cause de la main de Dieu. Because of the hand of God. Dieu va te connecter avec des gens qui te seront favorables. God will connect you to people will be favorable to you. Vous savez, s'il y a une des choses que j'ai toujours prié pour ça, if there is one thing that I've always prayed for, c'est cette faveur-là. It's that favor. Parmi mes cinq sujets de prière favoris, among my five favorite prayer requests, que j'ai prié pour ça, pas dans les 30 jours, that I pray for not in the 30 days, non dans un programme de 30 jours, mais régulièrement, but regularly, c'est de demander à Dieu la faveur des hommes. It's to ask of God the favor of men. Il y a beaucoup de sortes de faveurs entre les mains de Dieu. There is a lot of different type of favors in the hand of God. Voulez-vous que je vous dise quelques-unes? I can tell you some. Numéro 1. The first one. Dieu te donne, il y a la faveur des hommes. There is a favor of men. Où Dieu te met dans le cœur des hommes pour que les hommes puissent t'aimer. Where God puts you in the heart of people for people to love you. Numéro 2. Secondly. Il y a la faveur des rois ou la faveur des grands. There is a favor of king or the favor of the great. Où Dieu permet que tu sois connecté avec des gens qui ont réussi dans la vie. Where people allow you to be connected to those who have achieved things. Tu ne fais pas des efforts, Dieu te met dans leur cœur. You don't have any effort, but God il, puts you il there. Commence à t'aimer à l'occasion de rien. They start loving you without any occasion. Quand tu es quelque part, when you are somewhere, tu vois un patron, you see a chief, un chef d'entreprise, you see a chief of a juste company, quand il te regarde, when he looks at you, il est gentil, il t'appelle. He just calls you. Tu as besoin de quoi? What do you need? Je peux t'aider à quel niveau? What can I help you with? Et les gens commencent à t'ouvrir des portes sans que tu ne forces quelque and chose. And people start asking, opening doors with, without you forcing une autre faveur, another favor. C'est la faveur des circonstances. It's a favor of circumstances. Dieu fait que c'est quand tu arrives que les bonnes choses arrivent. It's only when you arrive that good things arrive. Quand la main de Dieu est sur toi. When the hand of God is upon you. Dieu t'amène des gens favorables. God brings you favorable people. Et je prie que ce soit ton témoignage. And I pray that it may be your testimony. Après ces 30 jours de prière. After these 30 days of prayer. Je ne parle pas à tout le monde. I'm not speaking to everyone. Je déclare sur une personne. I'm declaring on one person. Après ces 30 jours de prière. After these 30 days of prayer. Il y a quelqu'un qui est au milieu de nous ce soir. There is someone among us tonight. Dieu va les connecter avec les personnes qui vont les propulser dans God la vie. God will connect them to someone who will bring them far in life. Une seule connexion. Just one connection. Peut changer tout le reste de l'histoire de ta vie. Can change the rest of the story of your life. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Receive that grace in the name of Jesus. Je dis à quelqu'un, reçois cette grâce au nom de Jésus. Receive that grace in the name of Jesus. Oh, je dis à quelqu'un, reçois cette grâce au nom de Jésus. Receive that grace in the name of Jesus. Qu'est-ce que veut dire la main de Dieu? What does it mean, the hand of God? Quand Jabez parlait de la main de Dieu, when Jabez was speaking of the hand of God, la quatrième chose, the fourth thing, c'est la présence de Dieu qui qualifie. Is the presence of God that qualifies. La présence de Dieu qui qualifie. Is the presence of God that qualifies. La présence de Dieu qui nous équipe. The presence of God that equips us. La présence de Dieu qui nous donne des capacités. That gives us capacities or abilities. Que non seulement on n'en avait pas. Not just the ones that we did not have. Ça nous donne des capacités que non seulement on n'en avait pas. Gives us abilities that we did not have. Mais qu'on ne peut jamais l'avoir par nous-mêmes. That we can never receive by our own. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. I don't know if someone is understanding. Quand la main de Dieu est sur quelqu'un. When the hand of God is upon you. Ça te donne des capacités. It gives you abilities. Non seulement que tu n'avais pas. Not only that you did not have. Mais des capacités. But abilities. Que tu ne pourras jamais avoir par tes propres efforts. That you can never receive by your own strength or efforts. Hallelujah. Amen.
Quand la main de Dieu est sur toi, when the hand of God is upon you, ça fait la différence. It makes a difference. La main de Dieu fait toute la différence. The hand of God makes all the difference. Il y a beaucoup des avocats dans ces cabinets là. There's a lot of advocates or lawyers in that cabinet. Mais quand toi tu es là, but when you are there, il y a toujours quelque chose de différent. There is always something different. Et quand tu n'es pas là, and when you're not there, ça fait qu'on a toujours besoin de toi. It makes that they always need you. Il y a beaucoup de médecins dans cet hôpital. There are a lot of doctors in that hospital. Mais quand toi tu es là, but when you are there, il y a toujours quelque chose de différent. There is always something different. Ils sont médecins. They are also doctors. Tu es aussi médecin. You are also a Mais doctor. Ta présence quand c'est là, but your presence il y a quelque chose de particulier. There is something particular. Alléluia. Amen. Je vous ai dit hier. I told you yesterday. De cet homme quand j'ai commencé à prêcher les premiers jours. When I started speaking on the first day. J'ai prêché le premier jour. The first day I was preaching. Il m'a ri comme il voulait. Il m'a humilié comme jamais. The first day I preached somewhere, the man where I went to preach humiliated me like never before. Cet homme me dit. And when he was telling me. C'est préférable que tu deviennes même un chauffeur qu'un prédicateur. It's even preferable for you to be a driver than for you to be a preacher. Deviens même un cordonnier, c'est bien pour toi. You can become a shoemaker or a shoe fixer. Tel que je te vois. Because the way I see you. Toi, tu n'es pas appelé à prêcher. You are not called to preach. Et parfois il avait, quelquefois il avait raison. Sometimes he was probably. Mais en restant dans la présence de Dieu. But when I was in the presence of God. Je me suis rendu compte qu'à un certain moment. I found out that at a certain moment. Dieu m'a donné des capacités. God gave me some abilities. Que non seulement je n'avais pas. Not just not that I did not have. Mais que je ne pouvais jamais l'avoir par moi-même. That I would never have received by my own efforts. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. I don't know if there's someone who's understanding me. Quand la main de Dieu vient sur toi, when the hand of God comes upon même si tu travailles dans la cuisine, even if you're working in the kitchen, ta façon de préparer sera différente de d'autres personnes. Your way of cooking will be different from everyone else. Quand la main de Dieu est sur quelqu'un, when the hand of God is on someone, il y a toujours quelque chose qui te différencie des autres. There is always something that differentiates you from others. Vous êtes tous dans le même domaine. We can all be in the same domain. Mais quand tu mets ta touche, but when your hand touches, ta touche est toujours différente. Your touch is always different. Jusqu'à ce que until ça te rend indispensable. It will make you indispensable. Le mot indispensable veut dire. What does it mean? Tu deviens incontournable. You become incontournable. À un certain moment, at a certain moment, pour que les choses soient bien, il faut que tu sois là. For things to be well, you need to be there. Et quand la main de Dieu est sur toi, and when the hand of God is upon you, c'est comme ça que ça arrive. That's how it always happens. Je prie pour quelqu'un ce soir. I pray for someone tonight. Que la main de Dieu t'amène dans cette dimension. That the hand of God brings you to that dimension. Que la main de Dieu t'amène à cette dimension. May the hand of God bring you to that dimension. Dans la Bible. In the Bible. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas de qualifications. There were many people who were not qualified or who did not have qualifications. Mais à cause de la main de Dieu. But because of the hand of God. Ils sont devenus des personnes exceptionnelles dans leur vie. They became exceptional people in their lives. Quelqu'un comme Moïse. Like Moses. Il savait pas parler. He did not how to know. Un grand bégayait. He was stuttering a lot. Quand Dieu l'appelle. When God called him. Il dit moi, je suis pas bon pour ça. Says me, I'm not good for Regarde this. Regarde moi, je me connais moi-même. I know myself. Il dit Seigneur, je te respecte beaucoup mais je me connais. I said to myself, je suis pas bon pour ça. Myself. I'm not good for this. Mais à cause de la main de Dieu. But because of the hand of God. Il est devenu le leader le plus influent de l'Égypte. He became the most influential leader of Egypt. Jérémie la même chose. Jeremiah the same thing. Dit Jérémie. He says Jeremiah. Va prophétiser. Go and prophesy. Dit oh Seigneur, je pense que tu t'es trompé. He says Lord, maybe I think that you've missed. J'ai une langue embarrassée, je ne sais pas parler. I do not know how to speak. Mais quand la main de Dieu est venue sur lui, but when the hand of God came upon him, il a commencé à prophétiser comme jamais dans l'histoire d'Israël. Prophesying like never before in the story of Israel. Quelqu'un comme Pierre. Someone like Peter. Le premier jour où Pierre a prêché après la Pentecôte. The first time that he preached after the Pentecost. La Bible dit. The Bible says. Les gens l'ont reconnu. People knew him. Parce qu'il était un homme sans instruction. Because he was a man without instruction. Mais celui ici. But this one. On le connaît. We know him. Il n'a pas beaucoup étudié. He has not studied a lot. Mais qu'est-ce qui lui donne de parler avec assurance et certitude comme ça. But what gives him the way to speak with certitude and with Parce que la main de Dieu était sur lui. Because the hand of God was upon him. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir. I want to tell someone tonight. Quand la main de Dieu est sur toi. When the hand of God is upon la main you, de Dieu te communique des capacités. The hand of God communicates abilities ça to te you. Donne des capacités. It gives you abilities. Ça te donne des capacités. It gives you abilities. Ça te donne des capacités. It gives you abilities. Ça te donne des capacités. It gives you abilities. La main de Dieu te donne des capacités. The hand of God gives you abilities. C'est pourquoi. That's why. Ne te limite jamais par rapport à ce
que tu sens. Do not be limited by what you feel. Blesse-toi sous la main de Dieu. Bless yourself under the hand of God. Oh, je dis à quelqu'un. Oh, I'm telling someone. Juste place-toi sous la main de Dieu. Just place yourself under the hand of God. Et quand tu entres sous la main de Dieu, when you be under the hand of God, tu deviens une autre personne. You become a different person. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Receive that grace in the name of Jesus. Je dis à quelqu'un, reçois cette grâce au nom de Jésus. Receive that grace in the name of Jesus. Je dis à quelqu'un, reçois cette grâce au nom de Jésus. Receive that grace in the name of Jesus. Amen. Amen. La cinquième et la dernière signification de la main de Dieu. The fifth definition of the hand of God. Quand Jabez demande la main de Dieu. When Jabez asks for the hand of God. La cinquième idée derrière cette demande, c'est celle-ci. The fifth idea behind. C'est la présence de Dieu. Is the presence of God. Qui attire des personnes de qualité. That attracts people with good quality. Qui attire les personnes de qualité. That attracts people of quality. Cette fois-ci, c'est différent avec la présence de Dieu qui attire les gens qui t'amènent des faveurs, mais les personnes de qualité. This is different from God bringing people who are favorable, but people who are of good quality. Dans Esdras chapitre 8 verset 18. In Esdras 8 chapter 18. Esdras chapitre 8 verset 18. Esdras chapter 8 verses 18. Esdras veut reconstruire la muraille. When Esdras builds the wall. Il a tous les matériels. He has all the materials. Il a les briques. He had the bricks. Il a tout ce qu'il faut. He had all that he needed. Mais il lui manque des gens. But he did not have people. Il commence à prier. He started praying. Et pendant qu'il priait, and as he was praying, la Bible dit que Dieu l'envoya des gens de qualité. The Bible says that God sent him people of quality. Vous savez, ce qui nous fait avancer dans la vie, what makes us go forward in life, ce n'est pas le nombre de gens qui sont autour de nous. It's not the number of people around us. Mais la qualité des gens qui sont autour de nous. But the quality of people around us. Amen. Une seule personne de qualité. Just one person of quality peut t'amener plus loin dans la vie. Can bring you very far in life. Une seule personne de qualité. Just one person of quality. Je prie pour quelqu'un ce soir. I pray for someone tonight. Que Dieu te donne des hommes et des femmes de qualité dans ta vie. May God bring men and women of quality in your life. Je ne sais pas quelle est ta vision. I don't know what your vision is. Je ne sais pas quels sont les objectifs que tu as pour atteindre en 2021. I don't know what objectives you have for 2021. Mais je prie pour toi. But I pray for you. Pour que Dieu amène quelques personnes de qualité dans ta vie. That God bring people of quality in your life. Je prie pour tous les jeunes célibataires qui sont ici. I'm praying for all the single young people in this place. Si tu es une sœur, if you are a sister, tu n'es pas encore mariée, you are not yet married, je prie pour toi, I pray for you, pour que Dieu t'amène un mari de qualité. That God may bring you a husband of quality. Il ne suffit pas seulement de se marier. It's not just enough to be married. Il ne suffit pas seulement de se marier. It's not just enough to get married. Mais la qualité de la personne avec qui tu vas te marier détermine ce que tu deviendras. But the quality of the person you marry determines what you will become. Il y a des gens qui sont mariés après il y a rien. There are people who get married and then there is nothing. Il s'est marié. He got married. Après le mariage. After the marriage. C'est elle qui part travailler. She's the one who's going to work. Et le mari reste toujours à la maison avec des très longues culottes jusqu'ici. And the husband is always staying at home with long shorts. Et c'est la femme qui part travailler. And it's the woman who's going to work. Un mari irresponsable. A man. Un mari irresponsable. An irresponsible man. Que Dieu t'épargne de cela au nom de Jésus. May God put you aside from that in the name of Jesus. Si tu es un frère, if you are a brother, et tu n'es pas encore marié, and you are not yet married, je prie pour toi. I pray for you. Que Dieu te donne une femme de qualité. May God give you a woman or a wife of quality. Il y a des femmes de qualité. There are women of quality. Quand elle entre dans ta vie, when she comes into your life, tu sens toi-même, hein, you feel yourself, que ta vie passe de noir et blanc en couleur. That your life comes from black and white to a life of color. Amen. Pas seulement les femmes qui viennent. Not just women who come. Lundi, manicure. Monday, lundi manicure. Monday is a model. Comment on appelle ça en anglais? Manicure. Mercredi pédicure. Wednesday pedicure. Jeudi soin de visage. Thursday she's going for facials. Pas d'idée, pas d'initiative. No ideas, no initiatives. Quand l'argent vient, ça entre ici, ça part de l'autre côté. When money comes, it just comes here and it goes on the other side. Et 20 ans de carrière, tu n'as aucun souvenir. 20 years of career, you don't have any souvenirs. Quand le travail termine, when the work is over, tu deviens comme quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie. You become like someone who has never worked que in your Dieu life. Que Dieu t'épargne de ce genre de femme au nom de Jésus. May the Lord not bring those kind of women in your life. Apôtre, je prie pour Rama Church. Apostle, I pray for Rama Church. Que Dieu t'amène, apôtre, les serviteurs de qualité dans l'église. May the Lord bring to you quality of servants of quality. Les serviteurs de Dieu.
quality servants. Quand ils viennent, when they come, ils ont les soucis de travail. They have the need or the lack of the pas les gens qui viennent pour des avantages. Not people who are coming for advantages only. Pour, pas les gens qui viennent pour des intérêts. Not people who are coming for interest. Mais les gens qui viennent, but people who come, parce qu'ils veulent que l'église puisse aller de l'avant. Because they want the church to go forward. Je libère cette grâce au nom de Jésus. I liberate that grace in the name of Jesus. Alléluia. Amen. Ce que j'aime dans cette histoire. Tonight, ce que j'aime dans cette histoire, like in the story, c'est que non seulement Jabez a demandé, when Jabez asked, mais la Bible, non seulement Jabez a demandé, not only Jabez asked, mais la Bible déclare, but the Bible declares, que Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. God gave him what he requested. Non seulement il a demandé, not only he asked, mais il a obtenu ce qu'il avait demandé. But he received what he requested. Alors pour terminer, for us to end, j'aimerais terminer avec cette question. I would like to end with this question. Qu'est-ce qui avait fait que Jabez puisse obtenir la main de l'Éternel? What made Jabez to obtain the hand of God? Quel était le secret qui était derrière les Jabez pour que il demande et puis il obtienne la main de l'Éternel dans sa vie? What is the secret behind Jabez asking and receiving what he asked for? Quatre choses. There were four things. La première, the first one, parce qu'il connaissait Dieu, because he knew God, et il avait une relation de qualité avec Dieu, and he had a relationship of quality with God. Il connaissait Dieu, he knew God, et il avait une relation de qualité avec Dieu, and he had a relationship of quality with God. Beaucoup de gens demandent la main de Dieu, many people ask for the hand of God. Ils ne l'obtiendront jamais, they will never receive it. Non seulement parce qu'ils ne le connaissent pas, not only because they do not know him, mais parce que aussi leur vie n'est pas bonne, but because their life is also not good. Tu veux voir la main de Dieu, you want to see the hand of God. Quelle est la qualité de ta vie? What is the quality of your life? Ça c'est le problème. Amen. Seigneur, je veux voir ta main. Lord, I want to see your hand. Vous savez, parfois, apôtre, c'est choquant. You know, sometimes it's surprising. De voir une sœur à l'église. To see a sister. Et puis nous sommes dans les 30 jours. In 30 days. Seigneur, après ces 30 jours. Lord, after these 30 je veux days, voir ta main. I want to see your hand. Comme je viens de le dire ici. Like I just said it now. Donne-moi un mari de qualité. Give me a husband of quality. Mais entre-temps. But in the meantime. Elle a quatre à la cité. She has four more in the city. Maintenant, tu demandes le cinquième ou le sixième. So are you asking for the fifth one or the sixth one? Quand Dieu te regarde, when God, quand tu dis Seigneur, donne-moi un mari de qualité. Lord, de, give me a husband of quality. De qualité. Of quality. Et même quand il dit de qualité, il change le visage. De qualité. Even when she says quality, she's changing her face. Quality. Quand Dieu te regarde, but when God looks at you, Dieu voit que tu as déjà deux. The Lord sees that you already have two. Tu as déjà deux. You already have two. Et Dieu se pose la question. The Lord is asking himself. Elle veut que je lui donne la troisième ou la quatrième. That she wants me to give her the third one or the fourth one. Tu n'as pas une bonne vie, tu ne crains pas Dieu. You don't have a good life, you do not fear God. Si tu es comme ça, if you are like that, c'est possible que tu ne voyes pas la main de Dieu dans ta vie. It's possible for you not to see the hand of God in your life. Les gens n'aiment pas ça. Vous allez remarquer que le niveau des amens vont baisser sensiblement. You can see that the level of amen has reduced. De toutes les façons, maintenant, je n'ai plus besoin des amens. Anyway, I don't need the amens anymore. Seigneur, bénis-moi, donne-moi de l'argent. Lord, bless me and give me money. Mais au même moment, but in the same time, tu es impliqué dans l'escroquerie. You are also stealing people's money. Tu voles le business de l'autre. You are stealing other people's business. Mais tu veux que Dieu te donne un grand business. But you want God to give you a great business. Regarde ton voisin de loin, dis-lui, ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. Look at your neighbor from far and say it does not work like that in the kingdom of God. Il y a des gens qui n'ont pas parlé, ils ont seulement regardé en bas. People are not speaking, they are looking on, they're looking down. Fais-moi une faveur, regarde encore ton voisin. Tell your other neighbor. Dis-lui de loin. Tell them from far. Ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. It does not work like that in the kingdom of God. Jabez connaissait Dieu. Jabez knew God. Et il avait une relation avec Dieu. And he had a relationship with God. Pas n'importe quelle relation. Not just any type of relationship. Une relation de qualité. But a quality. La deuxième chose. The second thing. Qui était derrière le secret de Jabez? That was behind the prayers of Jabez. C'est parce qu'il avait de bonnes motivations. It's because he had good motivations. Beaucoup de gens demandent la main de Dieu. Many people ask for the hand of God. Mais ils ne voient pas la main de Dieu. But they do not see the hand of God. À cause des mauvaises motivations qu'ils ont dans leur cœur. Because they have bad motivations in their hearts. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir. I'd like to tell someone tonight. Écoute-moi bien. Listen to me well. Chaque fois que tu demandes quelque chose à Dieu. Every time you ask God for something. Dieu ne se limite pas à regarder les paroles de tes lèvres. God does not just limit himself to seeing the words of your mouth. Il va au-delà de cela. It goes beyond that. Il regarde l'état de ton cœur. He looks at the state of your heart. Si tes motifs ne sont pas bons, if your motives are not good, tu ne vas pas avoir ça. You will not receive it. Jacques chapitre 4 verset 2. John chapter 4 verse 2. Jacques. James chapter 2 4 verse 2. Non, allez doucement.
Jacques chapitre 4 verset 2. James chapter 4 verse 2. La Bible dit. The Bible says. Vous demandez. You ask. Et vous ne recevez pas. But you do not receive. Parce que vous demandez mal. Because you do not know. Dans le but de quoi? How to satisfaire vos propres convoitises. Satisfy your own. Ça veut dire vos motivations ne sont pas bonnes. Your motivations are not good. Je vous avais dit que les amers vont diminuer. I told you that amens will be. Je sais quand les amers commencent à descendre. Amens start going down. Dis Seigneur, je vais réussir dans la vie. Lord, I want to succeed in life. Et je vais le prouver. And I want to prove. J'ai dit hein? Lord donc says, toi tu veux réussir pour prouver les gens. The Lord says you want to receive to win for you to prove other people. Seigneur, ils m'ont insulté. Lord, they insulted me. Ils m'ont insulté. They insulted me. Ils m'ont appelé un enfant bâtard. They called me a bastard woman. Ils m'ont appelé un enfant bâtard. They called me a bastard child. Maintenant, je vais réussir. But no, I want to pour leur prouver de quoi un enfant bâtard est capable. To show them what a bastard child can do. Donc, au fait, tu veux te venger. Now you want to revenge yourself. C'est ça la vraie signification. Is that that's the correct meaning? Et quand ta motivation n'est pas bonne. And when your motivation is not good. Seigneur, on m'a beaucoup parlé. Je vais me marier. Lord, they've spoken to me so much. Et le jour où je vais me marier. The day I'm gonna get married. Comme les Kinois disent. Like the people from Kinshasa say. Says he's gonna drink water. Le jour où je vais me marier. The day I'm gonna ils vont me voir. They will see me. Et quand Dieu te regarde. And when God sees you. Donc toi, tu ne veux pas te marier pour bâtir ta propre vie. You don't want to get married for you to build your mais own life. Tu veux te marier pour que les autres boivent de l'eau avec de l'aiguille. But you want to get married for people to drink water from a needle. Et Dieu dit attends d'abord là. And the Lord says wait there. Quelle est la motivation qui est derrière ta demande? What is the motivation behind your ask? Tu demandes la main de tu veux voir la main de Dieu pourquoi? Why do you want to see the hand of God? C'est ça le point. That's the point. Tu veux réussir pour qu'on te voie. You want to succeed so that people can see you. Ça s'appelle de l'orgueil, de l'arrogance. That is pride or arrogance. Et Dieu ne soutient pas les arrogants. And God does not support arrogant people. Tu veux être riche pour la gloire de Dieu. You want to be rich for the glory of God. Je te dis que Dieu te fera riche. And the Lord will make you rich. Parce que tu veux devenir riche pour sa gloire. Because you want to become rich for his glory. Somebody say amen. Amen. Troisième secret de Jaïbet. Third point. Qu'est-ce qui a fait que Jaïbet puisse voir la main de Dieu après sa prière? What made Jabez see the hand of God after his prayer? Parce que il n'a pas douté des capacités illimitées de Dieu. Because he did not doubt of the illimited capacity of God. Il n'a pas douté des capacités illimitées de Dieu. He did not doubt the limited capacity of God. C'était un homme de foi. He was a man of faith. Quand il priait, when he was praying, il faisait pleinement confiance à Dieu qu'il est capable de répondre à la prière. He was fully trusting God that can answer prayers. Comme la Bible le dit, like the Bible says, dans Hébreux chapitre 6 verset 11. In Hebrews chapter 6 verse 11. Que celui qui s'approche de Dieu, that the one who comes to the throne of God, croit que Dieu existe. Believes that God exists. Non seulement il existe, not only he exists, mais il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. That is the reward of those who seek him. Je vais dire à quelqu'un, I'd like to tell someone, si tu as la foi, if you have faith, tu l'as déjà obtenu. You've already received it. Oh, tu n'as pas compris. No, you did not understand. Je disais à quelqu'un, I was telling someone, si tu crois à cela, if you believe in that, tu l'as déjà obtenu. You've already received it. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus dit, that's why Jesus says, quand vous demandez quelque chose à Dieu, when you ask something to the Lord, numéro un, the first thing, croyez que vous l'avez reçu. Believe that you've received it. Et après cela, and after that, vous la verrez, and you'll see it, s'accomplir. Being accomplished. La foi précède la réception. Faith comes after receiving. Il était un homme de foi. He was a man of faith. C'est ce qu'il a qualifié pour voir la main de Dieu se manifester dans sa vie. He was qualified to see the hand of God upon his life. Quatrième secret de Jaïbet, le tout dernier. The fourth one. Pourquoi il a vu la main de Dieu? Why did he see the hand of God? Comment Dieu s'est manifesté dans sa vie après avoir prié? How did God be manifested in his life after he prayed? Le quatrième et le tout dernier point. The fourth point. C'est parce que il a simplement prié. Because he simply prayed. Parce que simplement il a demandé. Because simply he asked. Simplement il a demandé. Simply he asked. Simplement il a demandé. Simply he asked. Des fois, sometimes, Dieu veut voir notre désir. God wants to see our desires. Il connaît tout.
He knows everything. Dieu a toujours connu tout. Il a toujours su tout. God always knew everything. Il sait que tel que tu es là, tu as des problèmes. He knows that where you're sitting, you have problems. Il connaît toutes tes difficultés. He knows all your difficulties. Il connaît toutes les complications que tu as dans ta vie. He knows all the complications you have in your life. Mais quelquefois, but sometimes, il veut que nous puissions exprimer nos désirs. He wants us to express our desires. Ça fait du plaisir à un père. It gives pleasure to a father. De voir ses enfants venir à lui. To see his children come to him. Pour dire, papa, j'ai besoin de ceci. Say, papa, j'ai besoin de cela. I need papa, that. J'ai besoin de ceci. I need this. Si tu as un enfant, if you have a child, dans ta maison, in your house, qui ne vient jamais te demander quelque chose, who never comes to ask you for something, à un certain moment tu vas te poser des questions. At some point you ask yourself. Cet enfant est bizarre. This child is really bizarre. Toi, tu n'as pas de problème. Don't you have any problems? Pourquoi toi, tu ne demandes rien? How come you never ask for anything? Parfois, ce sont des langages qui sont suspects. Those are some suspicious language. Un enfant normal doit dépendre de son père. Needs to depend on his father. Ça doit être, c'est une joie pour lui de venir vers son père. It's a joy for him to come to his father. Il dit, papa, je peux avoir un téléphone? And said, father, can I have a phone? Papa, est-ce que tu peux m'acheter ceci? Father, can you please buy me this? Papa, j'ai vu quelque chose que j'ai aimé. Est-ce que tu peux me trouver ça? There is something that I love. Will you please find it? Et la joie d'un père. And the joy of the father. C'est de pourvoir aux besoins de ses enfants. It's to provide to the needs of their children. Parfois, Dieu veut tout simplement que nous puissions exprimer nos désirs. God sometimes just wants us to express our desires. C'est ce que Jabez a fait. That's what Jabez did. Il a pris la décision. He took the decision. De laisser les autres. To leave everyone. De laisser sa chambre. To leave his room. Et de monter vers Dieu. And to go to et d'invoquer le Dieu d'Israël. And to call upon the God of Israel. Ce soir. Tonight. J'aimerais encourager quelqu'un. I would like to encourage someone. Nous allons prier ensemble comme Jabez. We are going to pray together like Jabez. Hallelujah. Amen. Ce soir, nous allons demander les choses que Jabez a demandé. We are going to ask the things that Jabez asked for. Premièrement, il a demandé la bénédiction. Firstly, he asked for blessing. Deuxièmement, il a demandé que Dieu étende ses limites. He secondly asked for the Lord to enlarge. Troisièmement, il a demandé que Dieu puisse étendre sa main. Thirdly, he asked for the Lord to extend his hand. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir. I would like to encourage someone tonight. Demande la manifestation de la présence de Dieu dans ta vie. Ask for the manifestation of the presence of God in your life. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir. I would like to encourage someone tonight. Demande que la main de Dieu soit visible dans ta vie. Ask for the hand of God to be visible in your life. Que la main de Dieu soit visible dans ton mariage. May the hand of God be visible in your marriage. Que la main de Dieu soit manifeste dans ton business. May the hand of God be manifest in your business. Que la main de Dieu soit visible dans ta carrière. May the hand of God be visible in your career. Je ne sais pas la vision que tu as dans ton cœur. I don't know the vision that you have in your heart. Mais je prie ce soir. But I pray tonight. Que la main de Dieu soit manifeste sur ta vision. Let your hand of God be manifest upon your vision. Tout ce que tu prépares pour faire en 2021. All that you're preparing to do in 2021. Que ça ne soit pas seulement par ton intelligence. May not just be by your intelligence. Que ça ne soit pas seulement par ta propre sagesse. May not just be by your own wisdom. Que ça ne soit pas seulement par tes propres courage. May not just be by your own courage. Que ça ne soit pas seulement par tes propres relations. May not just be by your own relationship. Mais tout ce que tu prépares de faire, but all that you are preparing to do, que cela s'accomplisse par la main puissante de Dieu. That it may happen by the powerful hand of God. Non seulement que la main de Dieu soit avec toi, not only that the hand of God must be with mais you, que la main de Dieu t'accompagne tous les jours de ta vie. May the hand of God accompany you every day of your life. Je prie pour quelqu'un ce soir. I pray for someone tonight. Que la main puissante de Dieu, that the powerful hand of God, t'accompagne dans toutes les étapes de ta vie. Accompany you in every step of your life. Toutes les étapes.